Bien-aimés, rejoignez ce programme de 40 jours du 2 avril au 12 mai 2018 avec la prophétesse Frida et le pasteur bienvenu Manzioni. Prophetic Prayer Walking ou marche de prière prophétique. Marchez 10, 20, 30 minutes, 1 heure ou plus en priant avec la tour de prière Summer. 40 jours pour abattre, ruiner et détruire toutes les forteresses de l'ennemi au nom de Jésus-Christ. 40 jours pour bâtir, planter et manifester sa destinée en Christ. Retrouvez une vidéo guide par jour sur la tour de prière Summer. Rejoignez-nous tous les mardis et jeudis de 22h à 23h au 09 72 61 93 80, code d'accès 10 77. Que l'ange de l'Éternel vous rencontre sur le chemin de votre destinée. J'espère que vous avez vos Bibles. Sinon, bon, si vous n'avez pas les conditions d'avoir une Bible, je vais lire pour vous. Amen. Nous allons lire dans Proverbe 6, à partir du verset 2 à 3. Proverbe 6, 2 à 3. Proverbe 6, 2 à 3. Alléluia. Je lis au nom de Jésus. C'est bon. Proverbe 6, 2 à 3. La Bible déclare: si tu es enlacé par les paroles de ta bouche, si tu es pris par les paroles de ta bouche, fais donc ceci, mon fils, dégage-toi. Je répète, Proverbe 6, 2 à 3. Proverbe 6, 2 à 3. Si tu es enlacé par les paroles de ta bouche, si tu es pris par les paroles de ta bouche, fais donc ceci, mon fils, dégage-toi. Ici, Salomon parle à son fils. Il lui dit, si tu es enlacé par les paroles de ta bouche, c'est-à-dire si tu es pris au piège par tes propres paroles que tu as dit, si tu es pris par tes propres paroles que tu as dit, que ce soit des pensées, que ce soit des paroles, il dit, fais donc ceci, dégage-toi. Tu dois te dégager. Mon exhortation ce soir, c'est dégage-toi. Dégage-toi des paroles que tu as dit. Dégage-toi des pensées que tu as eues. Les pensées silencieuses. Le pasteur avait dit la dernière fois qu'une pensée est une parole silencieuse. Tu as pensé des choses, tu dois te dégager. Salomon nous donne ici la sagesse. Quand tu es pris par tes propres paroles, tu dois apprendre à te dégager. Notre thème, le thème de notre jeûne, c'est Jérémie 1, 9 à 10. Je vais le lire. Je vais le lire pour que nous puissions un peu voir. Ici, dans Jérémie 1, 9 à 10, on nous dit: puis l'Éternel étendit sa main et toucha ma bouche. Et l'Éternel me dit, voici, j'ai mis mes paroles dans ta bouche. Regarde, je t'ai établi aujourd'hui sur les nations et sur les royaumes pour que tu arraches et que tu démolisses, pour que tu ruines et que tu détruises, pour que tu bâtisses et que tu plantes. Voilà la mission que Dieu veut que nous puissions faire avec notre bouche. La Bible dit aussi que le pouvoir, la vie et la mort, voilà, la vie et la mort sont au pouvoir de la langue. Ça veut dire que dans ta bouche, il peut y avoir la vie comme il peut y avoir la mort. Alléluia. Et je reviens sur ce que nous avons lu dans notre exhortation de ce soir. Quand Salomon dit, si tu es enlacé par les paroles de ta bouche, si tu es pris par les paroles de ta bouche, fais donc ceci, mon fils, dégage-toi. Alléluia. Nous devons nous dégager. Alléluia. Toi qui es enfant de Dieu, nous qui sommes enfants de Dieu, nous devons avoir la capacité de traiter avec toutes les paroles que nous avons peut-être dites. Alléluia. Des fois, nous sommes rapides à parler aux autres, à dire à lui parle mal de lui-même. Mais nous-mêmes, nous ne traitons pas nos propres problèmes. Nous allons souvent donner des conseils aux autres. Mais il ne faut pas penser comme ça. Ce n'est pas bien. Une personne qui veut mettre fin à sa vie. Ah, moi, ma vie, elle ne vaut rien. Moi, vraiment, je ne peux rien faire. Ça ne marche pas. Moi, je pense que la malchance est dans ma vie. Tu lui dis, non, il ne faut jamais dire ça. Mais en réalité, toi-même, des fois, tu penses à des choses comme ça. Des fois, toi-même, tu penses que ta vie ne vaut rien. Des fois, toi-même, tu penses que tu as raté ta vie. Des fois, toi-même, tu penses que le Seigneur t'a oublié. Des fois, même, tu penses que Dieu ne t'écoute pas. Des fois, tu penses que Dieu ne pense qu'aux autres et pas à toi. Pourquoi? Quand tu penses comme ça, c'est une parole déjà. Tu as déjà créé quelque chose. Alléluia. Tu as déjà créé quelque chose. Alléluia. Ici, Salomon nous dit que quand tu es pris par tes propres paroles, tu dois te dégager.
Tu dois apprendre à battre maintenant ces paroles-là. Tu dois apprendre à enlever ces paroles-là. Tu dois apprendre à te dégager, dire non, au nom de Jésus, je refuse cette parole. Pense, entre en toi-même et pense, quelles sont les paroles que tu as pensées de toi? Quelles sont les paroles que tu as dites de toi-même? Quelles sont les pensées que tu as eues à propos de toi-même? Des fois même, tu as des problèmes dans ton mariage, oui, mais des fois tu t'es mis à penser que ton mariage ne vaut rien, que finalement Dieu n'est pas dedans, ou finalement, peut-être que ce n'est pas la volonté de Dieu. Tu as pensé des choses, alléluia. Tu t'es dit, ah moi je pense que pour ma situation, il n'y a plus d'espoir. Pour mon affaire là, ce n'est pas la peine. Ou bien tu as dit des choses, moi là où je suis, moi je ne pardonne pas. Moi je ne pardonne pas, quand on me fait du mal, ça c'est ce que la personne a fait, moi je ne pardonne pas. Tu l'as dit, et quand tu l'as dit, cette parole-là te garde maintenant captif. Tu veux que Dieu puisse te bénir, mais tu es encore lié à ces paroles-là que tu disais. Tu es encore lié à ces paroles-là. Amen. Tu dis, moi, là où je suis, moi, de toute façon, moi, dans ma tradition, dans notre ethnie, on est comme ça. Tu te lis toi-même aux esprits ethniques. Tu te lis toi-même aux esprits de coutume. Salomon est en train de dire ici, tu dois te dégager. Amen. Tu dois te dégager. Alléluia. À chaque fois que, peut-être que, je donne un exemple. Tu fais peut-être une promesse à un homme de Dieu. Tu as peut-être eu à faire des promesses à l'église. Mais tu ne les as pas accomplies. Tu t'es attaché. Tu dois te dégager. Pourquoi? Parce que l'ennemi peut passer par tes propres paroles que tu as dit pour t'attaquer. L'ennemi peut passer même avec nos enfants. Qu'est-ce que nous disons aux enfants? Tu dis, ah, toi, elle, là, ce n'est pas la peine. Mais quand tu dis ça, le diable peut passer par là pour venir attaquer ton enfant. Après, tu ne comprends pas. Tu dis, mais je ne comprends pas, mon enfant, il n'y a rien qui marche. Mais des fois, c'est tes propres paroles que tu as dites. Pense, entre en toi-même, tes propres déclarations. Quelles sont les mauvaises déclarations ou les malédictions que tu t'es imposées toi-même? À chaque fois que tu es dans une position de découragement, à chaque fois que tu es déprimé, à chaque fois que tu déclares des choses négatives à ton propre sujet, en fait, tu es en train de t'enchaîner toi-même spirituellement. Amen. À chaque fois que tu passes ton temps à te plaindre, à te lamenter, tu es en train d'empirer ta propre situation. Au lieu pour toi de déclarer la parole de Dieu, toi tu déclares le pire. Tu es en train d'appeler l'ennemi. Alléluia. Et ce n'est pas une bonne chose. Salomon a dit, nous devons nous dégager. Tu dois te dégager. Quand tu dis, rien ne marche pour moi, je ne vaux rien, je suis fini. Ah, moi, je pense que je vais mourir. Ah là là, cette situation, il n'y a pas d'issue pour moi. Ah là là, à chaque fois, c'est comme ça que les choses se passent toujours avec moi. Rien ne va marcher. Pourquoi? Parce que c'est dans ta bouche. La vie et la mort sont au pouvoir de la langue. La petite langue que tu as, cette bouche que tu as, a la capacité de créer la vie. C'est pour ça que Dieu parle à Jérémie et lui dit, voici, je t'ai établi sur les royaumes et sur les nations pour que tu puisses détruire, alléluia, pour que tu puisses arracher, pour que tu puisses planter. C'est ça notre mission. C'est pour ça que nous sommes dans ce jeûne et prière, pour pouvoir planter, pour pouvoir arracher, pour pouvoir détruire. Toutes les paroles que tu as dit avant, tu dois commencer à renoncer à ça, alléluia. Tu dois commencer à renoncer. Parce que Salomon nous a donné le secret. Le secret, c'est quoi? Dégage-toi. Tu dois te dégager. Alléluia. Nous allons prier par rapport à ça. Amen, amen. Il y a du bruit derrière. Je ne sais pas qui a mis son haut-parleur. S'il peut juste couper son micro. Comme ça, il est juste en mode écoute. Alléluia. Nous allons prier le Seigneur. Alléluia. Tu vas dire au Seigneur, Seigneur, je te célèbre ce soir, car tu connais tous les moindres détails au sujet de ma condition maintenant, au sujet de ma condition présente, voilà. Tu dis, Seigneur, je te célèbre ce soir, car tu connais les moindres détails au sujet de ma condition présente. Alléluia. Dis-lui comme ça, fais une prière de confiance parce qu'il te connaît, pour que tu arrêtes de te plaindre. Alléluia. Prions le Seigneur. Alléluia. Seigneur, nous te bénissons ce soir encore. Ce soir, nous te louons. Seigneur, nous te louons car tu connais tous les moindres détails au sujet de ma vie. Seigneur, tu connais tous les moindres détails au sujet de ma vie. Pourquoi je dois me plaindre? Pourquoi à chaque fois j'ai peur? Pourquoi à chaque fois, Seigneur, je crains? Tu connais les moindres détails au sujet de ma vie. Tu connais les moindres détails au sujet de ma condition présente. Tu sais, Seigneur, ce à quoi je suis, ce que j'attends. Tu connais, Seigneur. Alléluia. Alléluia.
Alléluia, tu sais ce que j'attends. Tu connais, Seigneur, ma vie. Tu connais mes pensées. Rien n'est caché devant toi. Rien n'est caché devant toi. Rien n'est caché devant toi, Seigneur. Je te loue parce que tu es puissant. Et que, Seigneur, mon cœur n'est pas caché devant toi. Mes pensées ne sont pas cachées devant toi. Ma vie n'est pas cachée devant toi. Tu me connais, Seigneur. Tu me connais, Seigneur. Je te célèbre pour cela. Je te magnifie pour cela. Dans le nom de Jésus. Alléluia. Seigneur, merci car tu me connais. Tu me connais et rien n'est caché devant toi, Seigneur. Je te célèbre, Seigneur, car tu connais le moindre détail de ma vie. Tu connais le moindre détail de mes angoisses. Tu connais le moindre détail de mes attentes. Tu connais le moindre détail de tout ce que je suis. Rien n'est caché devant toi. Rien n'est caché devant toi. Tout est admis et assis devant toi. Rien, Seigneur, mon Dieu, mon roi, n'est étonnant devant toi. Tu connais toutes choses. Tu connais toutes choses. Tu connais toutes choses, Seigneur. Alléluia. Je bénis ton nom, Seigneur. Alléluia. Alléluia. Au nom de Jésus. Alléluia. Alléluia. Bien-aimé. Amen, amen. Maintenant, tu vas prier. La Bible dit, tout concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Il y a une autre version qui dit, tout travaille au moyen bienveillant de ceux qui aiment Dieu. Tout concourt au bien, c'est-à-dire toutes les situations qui t'arrivent là, tout travaille pour ton bien. Tout travaille pour ton bien. Tu vas maintenant dire au Seigneur, alléluia. Tu dis, Seigneur, je te loue parce que toute situation que je traverse, Seigneur, je te loue parce que toute situation que je traverse maintenant concourra à mon bien. La situation que je traverse maintenant va concourir à mon bien. Ce que je vis, les cycles que je vis maintenant, va se tourner à mon bien. Souvenez-vous de Joseph. Joseph a été vendu, mais c'était pour son bien. Pour que tu puisses devenir premier ministre en Égypte. Alléluia. C'était pour ton bien. Bien-aimé, tu vas dire maintenant, tout concours, toute ta situation maintenant, traverse maintenant, le concours maintenant à ton bien. Prions le Seigneur. Alléluia. Seigneur, je te célèbre, je te loue. Je te magnifie, Seigneur, parce que la situation que je traverse maintenant concourra à mon bien. La situation que je traverse maintenant concourra à mon bien. La situation que je traverse maintenant concourra à mon bien. Seigneur, je te bénis. Car la situation que je traverse maintenant concourra à mon bien. Ce que je vis en ce moment, les défis, les problèmes, les adversités, les difficultés, dans le nom de Jésus. Au nom de Jésus. Bien-aimé, maintenant nous allons demander pardon. Tu dis, Seigneur, pardonne-moi d'avoir lié ma vie avec ma langue, d'avoir lié ma destinée avec ma langue. Seigneur, pardonne-moi d'avoir lié tout ce qui est d'avoir par mes propres paroles. Tu vas demander pardon pour cela. Prions le Seigneur, alléluia. Seigneur, mon Dieu, nous te demandons pardon pour toi. Pardonne-moi, pardonne mes paroles, mes propres paroles qui m'ont lié, Seigneur, avec ma vie. Pardonne mes paroles qui m'ont lié, Seigneur, avec ma vie, avec toi. Pardonne, Seigneur, les choses que j'ai dit, les phrases que j'ai dit, Seigneur, qui m'ont lié. Là où, Seigneur, je disais que ça n'est pas marché pour moi. Je te demande pardon, je te demande pardon. Pardonne-moi, Seigneur, pardonne-moi, Seigneur, pardonne-moi, Seigneur, d'avoir lié ma destinée avec ma langue. Pardonne-moi d'avoir lié ma destinée avec mes pensées. Pardonne-moi d'avoir lié ma destinée avec mes phrases. Pardonne-moi d'avoir lié ma destinée avec le Seigneur, mon Dieu, mon attitude. Pardonne-moi d'avoir lié ma destinée avec mon manque de foi. Pardonne-moi d'avoir lié ma destinée avec ma langue. Je te demande pardon. Je te demande pardon, Seigneur, et Dieu.
Je te demande pardon. Oh, tu ne savais pas. Tu ne savais pas que c'est dans la vie et la mort qu'on te parle de la langue. Je ne savais pas que j'ai créé la mort. Je ne savais pas que j'ai créé la stagnation. Je ne savais pas que j'ai créé la mort pour moi. Je créais moi-même le scénario de ma vie. Je ne savais pas que je créais les autres blocages. Pardonne-moi. Pardonne-moi d'avoir dit des choses, Seigneur. D'avoir dit des choses. D'avoir fait des choses, Seigneur. Qui ont été bloqués ma destinée. Alléluia. Alléluia. Dans le nom de Jésus. Bien-aimé, tu vas encore demander pardon. Ah, peut-être, on a peut-être dit des choses contre nous-mêmes, mais on a peut-être aussi dit des choses contre les autres. Vous savez, le mystère qui est là, c'est que... Le mystère qui est là, c'est que quand tu parles contre l'autre, l'envers revient aussi envers toi-même. Parce que la Bible dit, ce que vous voulez qu'on puisse faire pour vous, faites-le de même pour les autres. Le contraire veut dire que quand tu fais quelque chose, quand tu dis quelque chose de mauvais contre l'autre, cela aussi revient aussi chez toi. Cela revient chez toi. Il n'y a rien qui passe comme ça. Nous allons demander pardon pour ça. Tu vas dire, Seigneur, pardonne-moi d'avoir dit des choses contre les autres et contre toi aussi. Parce que quand tu dis, je pense que le Seigneur m'a abandonné, tu parles contre lui. Quand tu dis, je pense que le Seigneur m'a oublié, moi, le Seigneur, j'ai trop prié, tu parles contre lui. Tu vas demander pardon pour cela. Seigneur, pardonne-moi d'avoir dit des choses contre toi et contre les autres. Oh Seigneur, je te demande pardon ce soir. Je peux dire des choses contre les autres. Pardonne-moi d'avoir dit des choses contre toi et contre les autres. Pardonne-moi d'avoir pensé des mauvaises choses contre toi et contre les autres. Pardonne-moi, Seigneur, d'avoir posé des actes qui ont affiché les autres, Seigneur. Là où je suis méchante contre les autres, pardonne-moi. Là où je suis méchante contre toi, en disant que Seigneur, tu n'allais pas me faire du bien. Pardonne-moi. Je te demande pardon pour cela. Je te réponds de cela ce soir. Je te réponds de cela ce soir. Je te demande pardon. Je te demande pardon. Oh, je te demande pardon. Je te demande pardon. Dans le nom de Jésus. Je te demande pardon pour cela. Je te demande pardon. Pardon d'avoir fait des choses contre toi et contre les autres. Pardon d'avoir pensé que tu m'avais donné un mauvais mari. Pardon d'avoir pensé que tu m'avais oublié. Pardon d'avoir pensé que tu avais raté ma vie. Pardon d'avoir pensé que tu m'avais oublié. Je te demande pardon. Pardon d'avoir pensé, d'avoir pensé le malheur pour les autres. Je te demande pardon. Oh Seigneur, pardonne-moi. Pardonne-moi, Seigneur. Je veux me dégager de toi. 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 Dans le nom de Jésus. Pardonne mes paroles. Pardonne mes pensées. Pardonne ce que j'ai fait aux autres. Pardonne ce que j'ai pensé des autres. Dans le nom de Jésus. Amen. Amen, amen. Bien aimé. Maintenant, tu vas dire. Tu vas dire, je me libère aujourd'hui des chaînes de l'auto-condamnation. Parce qu'à chaque fois que tu t'es auto-condamné, tu t'es enchaîné toi-même. Maintenant, tu vas te libérer de ça. Tu dis, je me libère aujourd'hui des chaînes de l'auto-condamnation au nom de Jésus. Nous allons maintenant nous libérer. Nous allons maintenant arracher ça, enlever ça, délier ça, couper ça. Alléluia. Prions le Seigneur. Alléluia. Seigneur, mon Dieu, je viens encore ce soir. Je viens, Seigneur, déclarer. Je viens décréter, Seigneur. Je viens dire que je me libère aujourd'hui, ce soir, des chaînes de l'auto-condamnation. Je me libère maintenant, Seigneur, de l'auto-condamnation. Je me libère, Seigneur, mon Dieu, de l'accusation du diable contre moi à cause de mes propres paroles. Je me libère maintenant ce soir des chaînes de l'auto-condamnation au nom de Jésus. Je me libère de cela. Je me libère de cela. Je me libère des chaînes. Des chaînes, Seigneur, que je me suis moi-même imposé dans le nom de Jésus. Je me libère, Seigneur, de la malédiction que je me suis moi-même imposé au nom de Jésus. Je me libère maintenant des chaînes de malédiction que je me suis moi-même imposé dans le nom de Jésus. Je me libère ce soir des chaînes de l'autocondamnation au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Des chaînes que moi-même je me suis créé à cause de l'amertume, à cause de l'anxiété, à cause de la peur, à cause des doutes, à cause des craintes. Seigneur, pardonne. Seigneur, mon Dieu, je me libère de ça au nom de Jésus. Je brise cela au nom de Jésus. Je me libère maintenant, aujourd'hui, ce soir, maintenant, de l'autocondamnation dans le nom de Jésus. Je me libère maintenant, au nom de Jésus. Je me libère maintenant, au nom de Jésus, des chiens de l'autocondamnation. Au nom de Jésus. Je suis libre en Jésus. Je suis libre dans le nom de Jésus. Alléluia. Amen. Maintenant, bien aimé, nous allons prier. Tu vois, maintenant, nous sommes, notre sujet, là, maintenant, c'est dégage-toi. Dégage-toi. Maintenant, nous allons prier. Tu vas dire, Seigneur, purifie-moi de toute forme d'amertume, de peur, d'anxiété, de doute. En fait, tout ce qui a fait que tu as mal parlé, tout ce qui t'a donné l'anxiété, toute amertume qui a fait que tu as mal parlé, où tu as dit, Seigneur, tu m'as oublié. Tu vois, maintenant, dire au Seigneur de te purifier de ça.
Seigneur, purifie-moi de toute forme d'amertume, de peur et d'anxiété dans le nom de Jésus. Prions le Seigneur. Alléluia. Seigneur, maintenant, Seigneur, nous invoquons ton nom. Purifie ma vie. Purifie-moi, Seigneur. Purifie-moi de toute forme d'amertume dans le nom de Jésus. Purifie-moi de toute forme, Seigneur, de peur dans le nom de Jésus. Purifie-moi, Seigneur, de toute forme d'anxiété dans le nom de Jésus. Toutes les choses qui nous empêchent de voir ta gloire. Toutes les choses qui nous poussent à dire des fatigues. Toutes les choses qui nous poussent à dire des fatigues pour ton mandat. Toutes les choses qui nous poussent à dire des fatigues qui empêchent, Seigneur, aussi de voir ta bénédiction. Seigneur, mon Dieu, purifie-moi de toute forme d'amertume, de toute forme de peur dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus, purifie-nous de toute forme d'anxiété. Dans le nom de Jésus, enlève les phobies, enlève la peur, enlève les craintes. Dans le nom de Jésus, purifie-nous, Seigneur, purifie-nous. Alléluia. Bien-aimés maintenant, que nous avons été purifiés de toute forme d'amertume, de toute forme d'anxiété et de peur, nous allons maintenant prier. Tu vas dire maintenant, ô Seigneur, remplis mon âme de cris de joie. Et mets dans ma bouche un chant nouveau maintenant. Remplis mon âme de cris de joie. Mets dans ma bouche un chant nouveau. Maintenant que l'amertume est passée, que ton âme puisse être remplie de cris de joie et ta bouche d'un chant nouveau, d'un chant de louange, d'un chant de célébration, d'un chant, alléluia, qui célèbre l'Éternel. Prions, alléluia. Oh Seigneur, maintenant, je te demande, Seigneur, de remplir mon âme de cris de joie. Remplis mon âme de louange. Remplis mon âme de rire. Remplis mon âme de joie. Remplis mon âme, Seigneur, et mets dans ma bouche un chant nouveau en cette saison. Mets dans ma bouche un chant nouveau maintenant. Mets dans ma bouche un chant de célébration. Mets dans ma bouche un chant d'allégresse. Mets dans ma bouche un cri de joie. Alléluia. Seigneur, remplis mon âme, Seigneur, de chant nouveau. Remplis mon âme de joie. Remplis mon âme de joie. Remplis mon âme de joie. Dans le nom de Jésus. Remplis mon âme de joie. Remplis mon âme. Que je puisse rire, que je puisse rire, Seigneur, que je puisse rire de joie, que je puisse rire, remplis mon âme de cris de joie, remplis mon âme de cris de joie, remplis mes yeux de larmes de joie, Seigneur, remplis mes yeux de larmes de joie, et que dans ma bouche, il y ait un chant nouveau, un chant nouveau, un chant nouveau, un chant d'allégresse, un chant de célébration, un chant de force, un chant nouveau, Yahweh, un chant nouveau, il y ait un chant nouveau dans ma bouche. Qui est un chant nouveau, un chant nouveau. Seigneur, que ma soeur chante un chant nouveau. Que ma mère Verrou chante un chant nouveau. Que ma soeur Cécile chante un chant nouveau. Que ma mère Laurentine chante un chant nouveau. Que ma soeur Francine chante un chant nouveau. Un chant nouveau. Que ma soeur Tiza chante un chant nouveau. Seigneur, alléluia. Que ma soeur Toussaint chante un chant nouveau. Qu'il y ait des cris de joie, un cri de joie. Que ma soeur Esther chante un chant nouveau. Que ma soeur Esther chante un chant nouveau. Que ma soeur Marlène chante un chant nouveau. Que ma soeur Marie chante un chant nouveau, un chant nouveau, un chant de célébration, un chant nouveau, un chant de célébration, des cris de joie, remplis ma vie de louange, remplis ma bouche de louange, remplis ma bouche d'action de grâce. Oh Seigneur, oh Seigneur, oh Seigneur, oh Seigneur, un chant nouveau, un chant nouveau. Alléluia, 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 dans le nom de Jésus, dans le nom de Jésus, alléluia, un chant nouveau. Alléluia, un chant nouveau. Alléluia, un chant nouveau. Alléluia, alléluia. Seigneur, brise, Seigneur, tous les jougs de frustration. Brise, Seigneur, tous les jougs de dépression. Alléluia. Seigneur, que cela soit brûlé par le feu de l'Esprit au nom de Jésus. Oui, Seigneur, toutes ces frustrations, oui, toutes ces dépressions, oui, toutes ces peurs, oui, toutes ces craintes, oui, toutes ces doutes, dans le nom de Jésus, dans le nom de Jésus, alléluia, au nom de Jésus, oui, tout cela, dans le nom de Jésus, oh, mais un chant nouveau, un chant nouveau, un chant de louange, un chant de louange, alléluia, un chant de alléluia, alléluia. Oh Judas, Léa a dit, cette fois-ci je vais louer, cette fois-ci je vais louer, cette fois-ci je vais louer, il t'appellera Judas, cette fois-ci je vais louer, cette fois-ci je vais
je veux louer. Cette fois-ci, je refuse de pleurer. Cette fois-ci, je refuse de pleurer. Cette fois-ci, je refuse d'avoir des craintes. Cette fois-ci, je refuse d'avoir des doutes. Je loue tout simplement. Je me positionne dans la louange. Je loue tout simplement. Judas. Cette fois-ci, je vais louer. Cette fois-ci, je vais louer. Oh mon frère, ma soeur, dégage-toi. Dégage-toi de mauvaises paroles. Cette fois-ci, loue. Cette fois-ci, loue. Cette fois-ci, je vais louer. Cette fois-ci, je vais louer. Positionne-toi. Alléluia. Comme Léa avait dit. Maintenant, cet enfant va s'appeler Judas. Judas, tu veux dire la louange. Cette fois-ci, je vais louer. Même si on ne m'aime pas, je vais louer. Même si je suis rejeté, je vais louer. Même si la guerre est devant moi, je vais louer. Même si la difficulté est devant moi, je vais louer. Cette fois-ci, je vais louer. Alléluia. Je vais louer. La louange. La louange. La louange. La louange. Merci pour la louange. Merci pour la louange. Tu es l'amour de ma vie, mon Dieu. Tu es l'amour de ma vie, mon Dieu. Je te bénis. Alléluia. Je te bénis. Cette fois-ci. Cette fois-ci. Cette fois-ci. Il va te mettre un chant nouveau. Il va te mettre vraiment un chant nouveau. Les larmes seront des larmes de joie et non des larmes de crainte. Et non des larmes d'anxiété. Et non des larmes d'amertume. Cette fois-ci, tu vas louer des larmes de joie. Tu auras des cris de joie. Pas des cris de frayeur, mais des cris de joie. Alléluia. Oh, alléluia. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Cette fois-ci, nous allons louer. Cette fois-ci, nous allons louer. Alléluia. Merci Seigneur. Oh, merci. Merci Seigneur, car c'est le Dieu de notre libération. Merci car nous nous sommes dégagés ce soir de toute mauvaise part. Merci car nous nous sommes dégagés ce soir de tout ce qui nous liait par nos propres fautes. Merci. Merci Seigneur. Merci car par Salomon, nous avons connu cette sagesse. Alléluia. Et merci car par ton prophète Jérémie, tu nous as dit que c'est à nous de parler, c'est à nous de planter, c'est à nous d'arracher, c'est à nous de détruire, c'est à nous d'abattre. Alléluia. C'est à nous de planter. Alléluia. Merci Seigneur. Toi, Seigneur. Je veux voir les miracles et les produits dans ma vie, Seigneur, mon Dieu. Oh, qu'il est bon d'espérer en toi, Seigneur. Qu'il est bon de croire en toi, Seigneur. Qu'il est bon de s'attacher à toi, Seigneur. Tu es le pouvoir excellent, Seigneur. Tu es le pouvoir excellent, Seigneur, mon Dieu. Je te bénis encore ce soir, mon Dieu. Alléluia. 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 Merci, Seigneur Jésus. C'est parce que le pasteur est là. Il est là, qui peut prier pour la France. C'est parce qu'il est là. Alléluia, Seigneur. Merci. Merci Seigneur, parce que je sais qu'il y a un chant nouveau qui est en train de retentir dans notre esprit. Je sais que Seigneur, le meilleur est à venir éternel. Tout ce qui espère en toi, Seigneur, trouve en nous, Seigneur, oh Dieu, la joie. Seigneur, nous trouvons, Seigneur, la joie lorsque, Seigneur, nous espérons en toi. Je bénis ce moment, je bénis, Seigneur, toute personne. Seigneur, éternel, Dieu de grâce. Oui, éternel, chaque fois, Seigneur, nous venons à toi. Parce que nous savons, Seigneur, nous sommes de faibles plantes. Parce que nous savons, c'est toi qui nous arroses. Parce que nous savons que c'est toi qui es notre bénédiction, Seigneur, par excellence. Notre Dieu soit béni, soit glorifié. Merci parce que tu nous as délivrés, Seigneur. Merci parce que tu as enlevé l'angoisse dans nos cœurs. Merci parce que tu nous as régénérés ce soir. Merci parce que ta main puissante est au-dessus de tout un chacun de nous. Nous te disons merci. Louange à toi. Honneur à toi. Je viens, Seigneur de gloire, abandonner cette soirée entre tes saintes mains. Je vais recommander, Seigneur, oh Dieu, toutes les familles, Seigneur, de tours de prière, Seigneur. Je recommande, Seigneur, mes sœurs, mes bien-aimés, Seigneur, ma famille que tu m'as donnée, Seigneur, la famille chrétienne, la famille dans la foi, Seigneur. Je bénis ton Seigneur, parce que, Seigneur, tu nous as dit, Seigneur, que notre famille, c'est dans la foi. Lorsque, Seigneur, oh Dieu, tes parents sont venus, Seigneur, au temple pour te chercher, Jésus, ils t'ont demandé, mon père et moi, nous t'avons cherché. Oh, qui est mon frère? Tu as dit, celui qui fait la volonté du Seigneur. Amen. Éternel, je bénis ton Seigneur. Je glorifie ton nom, Seigneur. Regarde, Seigneur, notre Dieu. Nous sommes, Seigneur, oh Dieu, en train de prendre la vol, Seigneur. Nous sommes en train de monter encore et encore. Fortifie-nous, Seigneur, et que chacun puisse trouver, Seigneur, sa part.
et que chacun puisse trouver, Seigneur, son exaucement, et que chacun puisse être, oh Dieu, dans la joie, oh Dieu, pour que, Seigneur, ton nom soit glorifié encore davantage. Père éternel, je crois au miracle. Père éternel, je crois à ta présence, Seigneur, dans nos vies. Tu es le restaurateur de cœur brisé. Que ton nom soit béni. À jamais tu seras l'agneau de Dieu. Nous fléchirons nos genoux, Seigneur, pour te célébrer jour pour jour, éternel. Et que ton nom soit glorifié. Je bénis, Seigneur, de gloire, ô Dieu, du sommet de la tête jusqu'à la plante de nos pieds, que nous soyons tous bénis. Bénis à jamais dans le nom de Jésus. Et que la victoire soit notre haut du partage. Et que la victoire soit dans notre famille. Et Seigneur, je déclare maintenant, Seigneur, et que nous soyons, Seigneur, dans la plénitude du Saint-Esprit. Dans le nom de Jésus. Gloire de louange à toi. Parce que tu